Carole Bouquet, malgré sa discrétion habituelle, reste très présente dans la vie de son fils Dimitri Rassam et de Charlotte Casiraghi. En ce qui concerne leur rupture, elle admet « Non, je ne parviens pas à rester détachée. Je ressens leur joie et leur peine de manière profonde, même si j'essaie de ne pas le montrer. Je me tiens disponible pour discuter et je reste attentive à toute opportunité qu'ils pourraient saisir pour se confier à moi », révèle l'actrice dans un entretien avec Paris Match. L'actrice de 67 ans, tout en veillant à ne pas être intrusive, explique « En tant que mère, on sait qu'on n'est pas toujours la mieux placée pour apporter de l'aide. » Elle ajoute « Lorsque quelqu'un souffre, il n'y a pas grand-chose à faire à part être présent et offrir son amour. » Carole Bouquet exprime également sa joie face au succès de son fils, Dimitri Rassam, qui a récemment triomphé avec son film Le Comte de Monte Cristo, qu'il a réalisé. Le succès de Monte Cristo est une grande joie. Dimitri réalise ce qu'il aimait faire quand il était enfant, se réjouit-elle, précisant qu'elle souhaite permettre à son fils de savourer pleinement sa réussite. Je souhaite que Dimitri profite de son succès sans l'ombre de sa maman, a expliqué Carole Bouquet à l'équipe de C'est à vous. Après avoir décliné la possibilité de laisser un message pour son fils, qui était invité sur le plateau le 3 septembre. Elle ne voulait pas donner l'impression d'être la prof qui félicite un élève après une présentation. Mais elle nous a confié combien elle est fière de vous. Je suppose qu'elle vous l'a également dit, a résumé Anne-Elisabeth Lemoine en s'adressant au cinéaste.